Et salut à tous, c'est Pipou, on se retrouve sur la chaîne pour le troisième épisode de Silent Hill 2. Alors, on reprend pile là où on s'arrêtait la dernière fois. Du coup, j'ai récupéré la première pièce, donc celle-là. J'ai la clé qui ouvre le petit escalier du niveau 2 de la résidence, et là je sais où il faut aller. C'est là où il y avait le cadenas, où on a récupéré plus ou moins le flingue. Alors, le fameux cadenas. Alors, si je sors de là. D'accord. Donc, je peux passer. Où remonte ça? Par là. Donc on a dit qu'il fallait que je repasse par là. Donc je peux me déconseiller, soi-disant, de monter au troisième. On va aller voir ce qu'il y a au troisième. Moi j'aimais quand on me déconseille, tu vois. On est à quel étage? Troisième. Ouais, troisième niveau, quoi. On m'a déconseillé d'y monter. On m'a dit non, non, surtout n'y va pas. Moi tu me dis non, non, j'y vais. Hein. Je le dis. Hein. Et je suis encore tombé sur une pyramide head, mec. Une merde, mais une merde. Pas sympa. Oh, t'es bête de laisser les balles quand même. Oh non, merde! I'm dead! Ma première dead. Vous avez péri. Ah, c'est pas grave. De toute façon, je sauvegardais juste là, donc ça va. Mais le truc, c'est que tu sais pas, genre, si tu es presque mort, pas mort et tout. C'est ça qui est un peu dommage. Bah après j'ai fait fine bouche après. Allez, moi une boisson. Bon, j'en ai deux. Là, tu vois, par exemple, j'étais à peine dans le rouge, on va dire. J'étais à peine dans le rouge, là, d'un coup, le jeu considère que je suis normal. Il n'y a pas de liseré rouge autour de mon personnage. Ça a l'air plus ou moins d'aller. Et malgré tout, je me suis fait déboîter. Là, il y a un mec, là. Alors, toi. Ta race, allez! On va me faire chier, non? Voilà, par contre, j'étais. Reste Tandax. Hein. Pas y mourir là. Ça va, ils sont 8000 dans cet endroit, faut se calmer, non? Eh oh, bande de fous. Hein. Ah, mais j'entends encore du bruit. J'entends encore du bruit.
faut se calmer avec les ennemis, oh. Je sais qu'on m'a dit que le troisième étage a pu la merde, mais c'est pas une raison, hein. C'est deux balles par deux balles, franchement tu abuses. Hein. Faut plus de balles pour tuer un ennemi quoi, que deux balles. Hein. Oh la saloperie. Mais je l'ai vu en plus, c'est ça qui me dégoûte. Je sais qu'il y a quelque chose ici, je le sens, tout semble normal, mais c'est faux, c'est dessous, ça bat, ça tente de sortir. Est-ce que ça tente de sortir? Ou dois-je entrer? Je dois le découvrir, faire émerger ça à la surface. Ah merde, je pensais que c'était des soins. Ils sont bien nombreux dans cette zone, je trouve. Oh merde, il y en avait un là. Ah mais ça va toi, ils sont trop nombreux là-haut. C'est quoi cette... cette escroquerie là? Oui, oui, allez go, avance. Ah mais là ça va, je suis pas dans le rouge, rouge, rouge. Faut se calmer quoi. Ah, balle de pistolet 4. Alors. Donc déjà, premièrement. Là, il y en a un qui est parti se cacher. Ah, toi c'est bon. Je le connais. Là-bas, c'est un GI, il n'y a rien à récupérer. Que les yeux pour pleurer. Là, on ne peut plus. Il y a un ennemi là ou pas? Pas encore, je crois. Là, il y a quoi là? Il y a des balles. Parfait. Là, je peux pas y aller. Là, ici, il y a un ennemi. Allez, ça dégage. Là, il y a quoi, là? Allez, récupère. Ça, on s'en fout, on l'a lu. Allez. Soigne-toi, on sait jamais. Ah, parce qu'avec eux... Des fois, tu passes de vie à trépas, mais en 2 secondes, quoi. Donc là, on est bon. Là, normalement, ici, il y a un ennemi. Allez, ça dégage. On recharge. Ouch. Allez, dégage. M'a chopé, fils, elle m'a déboîté, elle m'a. Par contre, j'ai plus de balles, je crois, non? Il me reste 3 balles, qu'est-ce que je fasse avec 3 balles?
Ah! Une seringue, c'est bien ça. Oh. Est-ce qu'on a envie d'y aller là-dessous ou pas? Pas trop, moi. Canette de jus, ça à cause. Hein. Quoi? Canette de jus? Je suis sûr que j'en fous les canettes de jus, je comprends pas. Ah putain merde, il y a une pièce dedans. Donc ça, je l'ai fait. Donc 312, on avait fait. Donc ça, on a fait. Tout ça, on a fait. 313. Ça ne parle pas à 313. Non, il faut que ça y est, là, non? Ah, peut-être qu'il faut descendre par là, non? On entend des bruits. Oh! Femme. Ok. Bien, par contre... Qu'est-ce que j'ai comme... En premier, ceci la jeune fille. Donc il me manque la fleur. Puis voici l'homme élégant et mystérieux sous le clair de lune, s'éclaire ses yeux. Sous le clair de lune. Il me manque une, quoi. Ils sont généreux. Le truc, c'est que j'ai récupéré deux trucs, mais j'ai pas récupéré la dernière pièce. Elle est où, la dernière?
Ouais, là, je suis monté. Là, de toute façon, je pouvais pas passer. Là, tac, 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 310 et compagnie. Et je pouvais pas passer de l'autre côté puisque tout est bloqué. J'ai pas accès, genre, au 305 et tout ça, là. 305, 307, 306 et tout. Ok, mais la carte précédente. Il y a la 201 là-bas, il y a un truc. Genre comme si c'était fermé, mais j'ai pas la clé, la 201. Non, parce que là, par exemple, je peux retourner dans le corridor là. Du coup, dans le corridor, je peux repasser par là-bas. Et 200 même peut-être. Voilà. N'avait pas accès à si. Non, je peux aller par là, t'es. Un autre à récupérer là dans les tiroirs. Et mais moi je vais toi je fouillais de tout quoi. Tous les tiroirs, les placards, les machins, on sait jamais. Ouais, je t'ai pas passé par là. Quoi? Ça pourrait. Ouais, d'accord, donc tu as 102 et tout, ok, et après? Y a juste deux ennemis là à tuer et rien de plus à récupérer? Il y a 201 là-bas, mais... Il y a ça là. Oh, putain, mais il me faut la clé de la 201, merde.
Et tout ce qui est 114, 116 et compagnie, tout ça en bas là. Ah ben voilà. Ah, sympa. Who's there? It wasn't me. I didn't do it. I didn't do it, I swear. Hey. Are you okay? I didn't do anything. He was like that when I got here. He? Oh, you mean the man back there? In the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. Yeah, it's all right. I'm not saying that you did. Look, my name is James. James Sunderland. Eddie. Eddie, okay. So, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just... Something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that. Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, deep breaths. Look, this place, it's not safe. These things... This whole town. There's something wrong with it. Might be best if you just get out of here. Yeah. Yeah, you're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet. I need to find someone. Oh. And Eddie. Careful. Yeah, you too. Oh là là. Bah arrêtez de cracher tous les machines de son corps, lui. Oh, la piscine. Oula. Ils sont bien nombreux les salauds là. Du serpent. Ah, je pouvais aller en face.
Eddie, are you gonna be okay? Yeah, I guess. Allez, laisse les faire mumuse dans la cour là, les rats. L'homme approche soudain, sa lame dévoilée, son visage s'effaçant derrière l'acier. Alors, loin de l'homme, la jeune fille s'enfuit vers la jolie fleur, loin de l'arbre aussi. Où poussait une fleur, le venin prospère. En lieu de la jeune fille, il n'y a plus qu'une pierre. Où poussait une fleur, le venin prospère. Alors, là, une pierre tombale. La bête dont les crochets ont mordu la fille, lui qui a échoué, elle qui perdit la vie. Sur vous repose maintenant un triste effort. Qui doit-on blâmer pour ce coup du sort ? Ah, 201. Oh, oulala. Alors, 201. Comment je fais pour atteindre l'étage, le niveau 201 là ? Alors, 200. Ah ben oui. 201, c'est par là. Ici. Boisson. Oh merde! Oh! Le Pyramid Head!
la chance qu'il te reste en vie, je te le dis. Parce que si vous voulez, il te déboîtait là. Oh, si vous voulez, il te saignait. Récupérer mouchoir. Autre monde. Est-ce que c'est une zone de merde? Oh là là, résidence Blue Creek, premier étage. Deuxième étage. Rez-de-chaussée. Encore ? J'en ai marre de ces résidences à la con, là. C'est bon, je suis pas venu visiter des hôtels, merde. Allez, qu'est-ce que c'est, ça, encore ? Quoi, de là ? Ah, parce qu'en plus ça explose à la fin. Ah, que merde. Quelle horreur. Utility room. Luxibal, hein. Appuie sur deux pour casser le mur. Est-ce qu'on a vraiment envie ou pas? Voilà, bah y'a mec. Allez, finis-le. Mais les balles, c'est bien, mais on en a marre des balles. Ouais, ça m'enlève tout, mais... Putain, mais finis-moi des boissons, merde. Les balles, c'est sympa, mais ça a 2 minutes. ...205, on peut pas y aller. 203, je veux dire. Qu'est-ce que c'est ça ? M.
Il s'y note, lui. Porte M202. Il est vraiment sympa, cet endroit. Préféré l'ancienne résidence, ça a été plus sympa. C'est plus cosy. Ouais, comme d'hab, que dalle. Ah, une petite boisson. Il était temps. Faut t'en mettre un peu plus quand même des boissons. Hein. Putain. Ah, regardez. Ah, regardez que vous êtes. Ok. Là, je peux pas y aller. Henry a peur de Scott. Il esquive et cherche à se cacher. Et on fuit à l'ouest, de l'autre côté. Mais voici Carrie Mildred, toute innocente. Scott est face contre terre, ignorant sa descente. Mais qu'est-ce que tu fais ? J'en ai marre. C'est quoi ça ? Scott. Ok. Ah putain, il va falloir placer les mecs sur les heures, les minutes, les secondes ou des trucs comme ça, je pense. Ouais, c'est ça. Il va falloir les placer en fonction des trucs, sauf qu'il va falloir que je trouve les autres aiguilles. Il va y avoir des trucs comme ça, ouais. Bon, ben du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. On a enfin fini l'intégralité de la première résidence. C'était horrible, ignoble. Bon, ben voilà, en tout cas, on a fait la rencontre de notre premier Pyramid Head. Et t'es gentil, il nous a laissé en vie en plus, il est mignon. Ouais, je sais, il est mignon. Voilà, ben du coup, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous et sur ce, ciao ciao!